Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord? Tu ne me feras pas changer d'avis, Jodie. C'est vraiment pas juste! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va? C'est vrai quoi! Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez. Et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser. Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jodie. Il y a des règles. Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Merde! Je peux rien faire pour toi, ma belle. C'est le règlement. Je te déteste, Cole. Et je déteste Nathan. Et je déteste tout le monde dans cette putain d'agence pourrie. Je sais que tu ne le penses pas, Jodie. Nathan veut juste te protéger, c'est tout. Arrête un peu, Jodie. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Tu peux pas sortir. Point final. Ça suffit. Ça ne t'apportera rien. Tu as fini? T'es fier de ce que t'as fait? J'espère bien, parce que tu vas devoir ranger tout ce que... Ça suffit, Aiden. Arrête, ils en ont rien à foutre qu'on bousille tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Va falloir trouver autre chose si ça fonctionne pas. Oui. Oui, elle s'est calmée. Elle a d'abord ravagé l'appartement, mais... elle s'est calmée. Ok. D'accord, on se voit demain. Je suis vraiment désolée, Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... tu me comprends, pas vrai? Je dois sortir ce soir. Oui, je sais, mais... c'est trop tard pour faire marche arrière. Évidemment.
Hey, salut Cole. Jody. Il est pas un peu tard pour se promener? Cole voulait juste m'emmener regarder les étoiles dehors. Apparemment, il y a des tonnes d'étoiles filantes ce soir. Est-ce que t'en as repéré? Je sais pas si le professeur Dawkins serait d'accord pour que tu sortes au beau milieu de la nuit. Oh, s'il te plaît. Allez, quoi. C'est juste l'histoire de quelques minutes, et Cole est avec moi, et... J'ai encore jamais vu d'étoiles filantes. D'accord. Allez-y, je ferai semblant de pas vous avoir vu. Quoi de neuf, Cole? T'as perdu ta langue? Hmm? Il a plus de voix. Il a attrapé un virus, je crois bien. Alors, le pauvre, j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures, alors... J'espère que... Bon, très bien. Allez-y. Bon, au moins on n'a pas à chercher la voiture de Cole. Il y a des caméras partout. Je ferais bien de pas trop m'éterniser dans le coin. Monte dans la voiture et ensuite démarre. C'est sûr, c'est pas une évasion très classe, mais on s'en fout. Allez, on y va, Aiden. Évite d'attirer l'attention, d'accord? Tu me pardonneras, hein. J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, tout ira bien. Okay. Aiden, emmène-le dans la forêt et veille bien sur lui. On est arrivé. Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur. Elles sont pas arrivées. On va attendre. Don't need no preacher, man, to tell me right from wrong. Don't need no real.
Dites, quel âge vous avez? J'ai 21 ans. Je veux juste une limonade. My lights tell me where I'm going to. The dust tells me where I've been. The motel is my living room. The bar is my bed, you know. Trust me in the other room. Got it going on. Ooh, just me. Up a road can be cruel sometimes. No place to call your own. Love affair with a howling wind. Gave my heart to roam. Oui, je suis au courant. Nathan va être furax. J'espère que ça vaut le coup. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu des filles de mon âge? Je suis censée retrouver des copines. Non, j'ai vu aucune fille ce soir. Merci. Juste pour passer le temps. D'accord, juste une alors. Les dames d'abord. Alors, qu'est-ce que t'es venue faire ici, toute seule? Je suis juste venue retrouver quelques copines. Elles seront là dans pas longtemps. Que je te dise, je te trouve un peu jeune pour être ici. T'as quel âge? J'aurai bientôt 17 ans. Je suis assez vieille. Waouh! Là, tu m'épates! Tes parents savent que t'es ici? En fait, j'ai fait le mur pour voir mes copines. Oh, ah ouais, tes copines. Celles qui sont pas encore arrivées. Hé ! Laisse-moi tranquille ! Allez, ma belle, je suis sûr que t'en meurs d'envie. Thank you.
Ramène-toi! Tiens là, espèce de trouillard! Des conneries! Putain, Earl! J'ai pas envie de mourir! Personne va mourir! On va foutre le camp d'ici! C'est pas vrai! C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous, ça? Ouvre cette putain de porte! Je peux pas! C'est quoi ça? Dégage-moi là! Je vais la défoncer! Jody! Je suis là. Est-ce que tu vas bien? Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste sortir. Et être comme tout le monde pour une fois. Oh, je sais. Je sais. Ça va aller. C'est rien. Je...